Bonjour à tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons une très joyeuse année. Non, la bienvenue pour ce match. Oui, ben déjà, bienvenue à tous. Bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Oui, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. On cherche des solutions là. Il avance balle au pied. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Il était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Avec un tir. Et le but ! L'ouverture du score ! Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Un but à la 8e minute. Vous connaissez le poncif, il ne fallait pas arriver en retard. Va faire. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ribéry. L'ouverture. Le match vient de commencer. Alors, pas de carton. L'arbitre reste calme. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Il essaye de trouver la faille. Bien, il rate le cadre. Il lève la tête, il va centrer. Ouais, bonne intervention, hein. Des défenseurs loin devant. Là. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Il cherche le point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Ribéry. Ah oui, hors jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Chercher une solution. Voilà, passe. Attention à la frappe. Oh, l'égalisation, on ne l'attendait pas. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Et ils égalisent donc un but partout. Ribéry. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Il faut trouver une option disponible. La frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ribéry. On gagne du terrain. Oh, il est passé. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. Oh, il va filer au but. Pas de souci pour le gardien. Le corner en direction du point. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Le ballon dévié en touche. Il cherche des solutions là. Allez, l'occasion peut-être de mener. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. La passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le tir. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là.
Attention à ce corner. Oh oui, la belle intervention du gardien. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ce centre qui ne donne rien finalement. Il continue d'avancer. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Attention à la contre-attaque. Voilà une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Un ballon qui est rendu au camp adverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, le centre. Ouais, il repousse, ça joue. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Chercher l'ouverture, bien sûr. Contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. Je valide. Très bonne finition sur cette frappe précise qui termine sur la droite du gardien. Et 2-1 donc maintenant. Pas le ballon, ils le perdent. Chercher une solution là. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le gardien qui repousse, attention. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, prends sa chance. La parade du gardien qui repousse, le ballon en jeu. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Oui, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. La frappe! Ouais, bonne prise de balle du gardien. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2-1. Et la fin à l'instant de cette première période de ces quarts. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. Ouais, c'est reparti pour 45 minutes. C'est une dans l'espace, c'est cadeau. Oh, c'est bien donné, dans l'espace. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, les défenseurs qui enrayent cette action. Ribéry. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Il faut trouver l'ouverture. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Ah, et ça sort en touche. Oh, la bonne passe. Super bien. Et ça fait but, donc, Pierre. Ouais, comme on a dit, gros pressing, une passe mal assurée. Et quelques secondes plus tard, ça fait but. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant.
Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. La faute. Oh, il ne maîtrise absolument pas son geste. La grosse faute et l'arbitre qui pourrait bien sortir le rouge. Il essaye de trouver la faille. Le gardien qui répond présent sur cette action. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Un bon travail défensif là de l'attaquant. Et encore une bonne passe. Il cherche des solutions là. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Un ballon pour l'adversaire. Ça sort, ce sera une touche. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ils perdent ce ballon. Cherche une solution là. Un mauvais dégagement là. Attention. Ça va être compliqué. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Et l'arrêt du gardien. Centre long au second poteau. Mauvaise relance. C'est dans le paquet. Un centre et au bout du compte, pas de danger. A complètement raté cette passe. Le ballon qui est finalement perdu. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et ce ballon qui est bien récupéré. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le ballon rendu à l'adversaire. Ouverture. On cherche la faille dans la défense adverse. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Ça, c'est le genre d'arrêt qui peut donner envie à plein de jeunes spectateurs de jouer à ce poste. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon change de camp. Chercher une ouverture, bien sûr. Alors, ça n'ira pas plus loin. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Le ballon qui est rendu au camp adverse. C'est donné en profondeur. Oui, c'est donné en espace. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur, peut-être. Non, elle a été interceptée, cette passe. On cherche des solutions là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Un ballon pour l'adversaire. Il faut trouver une option disponible. On cherche une solution. Allez, touche. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ouais, il a du soutien.
C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ah, il a levé son ballon. Il y va tout seul. Ah, il tire. Oh oui, bien joué le gardien à la parade. Oh, regardez, le gardien qui va monter sur ce corner. Ah, il est bien parti ce corner. Oh, magnifique, le gardien bien joué. Oh, le défenseur qui sauve ce ballon pratiquement sur la ligne. Ah, il fallait être là. Hein. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Voilà, on n'ira pas plus loin. C'est fini, l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Voilà, il n'y aura pas eu de surprise finalement. Il s'impose après les avoir joués, on le rappelle quand même, en supériorité numérique.